Nous avons une relation très positive entre élèves et chauffeurs et monitrices, ainsi que policiers. Quelles difficultés des fois vous posez ? Bon, rarement, il y a quelques élèves qui ont fait quelques désordres dans l'autobus, soit qui ont taquiné l'autre, ou bien après quelques petites paniques, mais nous avons maîtrisé. Bon, nous maîtrisons, ça dépend tout. Bien quelquefois, les policiers ont congé le cas, si le cas est passé, ils remettent l'élève ça à un patrouille policier. Qui côté nous prenons l'élève ça et qui côté nous prenons l'élève? Bon, dans l'est, dans les midi et demi, une heure, jusqu'à 4 heures, jusqu'à 6 heures du soir, nous prenons un champ de masse et nous déposons dans la zone côté au bras. Le matin, nous prenons retour dans la zone côté au bras. Par exemple, c'est bon pour moi là. Nous avons pris au matin un bon repos, nous allons pas le déposer dans la zone de la caillou. Nous n'avons pas aucun problème avec l'État, les finances qui sont responsables et les compagnies qui ont payé nous aller. Bon, moi encourager tous les élèves ainsi que les parents et les élèves pour essayer de motiver eux, parce que c'est un service qui n'a pas gratuitement, puis respecter les gens qui ont payé ce service-là, puis avoir respect pour eux. Seulement élève l'école l'État qui monte bus ça. Non, son cadre général. Il est pour l'école l'État, pour l'école privée, pour tout le monde, tout élève. Moi dans machine, c'est pour les élèves qui ont monté, qu'on a pour me capable faire monter pour me bailler, pour me gérer place pour eux, pour monter. C'est voilà. Bon, bus ça porte 35 élèves. Ça veut dire chaque place yo, gagne manger qui gagne 3, gagne qui gagne 2. Bon, il y a des élèves qui ont fait des ordres. Les affaires des ordres comme ça, vous obligez ou même, vous obligez pas là avec eux. Même les affaires des ordres, comme si vous ne pouvez pas occuper eux. Vous comprenez ça, monsieur? Vous ne pas occuper eux, comme si vous ne pouvez pas obligez de modifier pour parler avec eux. Comme élèves, vous comprenez ces élèves. Normalement, c'est une bonne initiative pour lui mettre des pour nous parce que. Il n'est pas facile pour nous descendre pour la machine. Parfois, nous sommes fatigués en bas. Mais c'est bon dans tout sens pour nous. Nous ne pouvons pas assurer le corps. Nous sommes venus, nous ne mettons pas un corps, nous sommes venus à l'école. Nous sommes venus dans tout sens. Bon, normalement, il y a une base dans chaque zone qui passe pour les vieux. Les vieux sont campés à l'attendre dans la base. Moi, je prends le marin, moi, je suis bon pour le marin. Bon, merci à vous, le président qui est là, travaille pour nous. Même les machines qu'on a payé pour mal l'école, mais dès que ça, le gouvernement matériel en fait à moi, mais ça en pile, que je vais la caille, moi, les machines montées, moi, même les gens qui ont des unités autour, et des élèves autour. Des fois, on ne peut pas payer pour l'école là, et que on descend là, ça a très bon, juste pour qu'on la caille. Nous n'avons rien, nous n'avons pas, sauf que nous venons là, nous prenons les, et puis nous montons dans la caille. J'habite Delma 33. Delma. Est-ce que c'est sur le plan de campagne ou même chaque matin qui peut prendre du sang et qui peut déposer? Chaque matin, je descends pour le sang, j'ai la bataille et je dépose là pour ça me monter dans l'école. Moi. Et là, je lâche, je descends là, je prends l'élan et je monte mal. Allez. Ça veut dire les gens puis nous supposé aller de très tôt juste pour qu'ils puissent arriver pour prendre bus avant ou pour qu'ils pas en retard. Tout élève, quel que soit l'état ou bien bah, tout élève net a accès à monter bus là. Bon, ça a compté 30 petits mondes. 30 petits mondes même les voter. Est-ce que nous va voter élève campé? Non, nous ne pouvons pas voter élève campé. La vie a même si on a une difficulté liée, donc on a une difficulté dans tout sens. Nous avons pleuvé le matin, nous avons des problèmes. Bandits qu'on attaque nous, voleurs qu'on attaque nous, qu'on bat nous. Nous avons une plusieurs qualités de problèmes. Chauffeurs, élèves, policiers, inspecteurs, 10 populations, comment nous mettons mais ensemble pour travailler ça le plus possible. Bon. Tant que nous-mêmes sommes dans le dialogue, nous croyons, tant que nous essayons de dialoguer à tout le monde et puis tout le monde finit par réaliser, vient entendre ensemble avec nous,
et puis nous faisons travail là. On connaît le système là et auparavant et il était censé avoir une participation, il était censé être un bail. Mais sous le gouvernement en matériel de la mort, il est censé être gratuit. Depuis l'école là, vous? Ah, bien content que ce soit posé. Parce que nous avons des difficultés que des faux élèves. Élèves, ça a aucun droit à un uniforme sur eux. Ils n'ont pas de badge que l'école est là. Uniforme, ils ont droit à mettre un uniforme. Ce n'est pas là où est vraiment vrai. Ils sont libres de venir prendre. Mais c'est élèves, ça a plus de problèmes dans le bus. Élèves, ça a nous qu'on apprend de eux. Nous qu'on voit eux dans un commissariat à faire au fond. Nous, deux êtres. Si c'est élèves, oui. Si ce n'est pas élèves, nous gardons eux, mais nous enquêtons sur eux pour que nous avons fait ça. Oui, il y a des zones, il y a des problèmes parce que l'on entraîne dans le soleil. Il y a des dérapages. Les policiers sont menacés, mais avec professionnalisme. Ils sont très bien dans l'embarras. Combien de policiers qui gagnent par autobus? Un policier par autobus.